Je vais faire une vidéo française pour une fois. Alors, je suis en train de faire des cours de conduite, ok? J'ai des choix, ok? Je peux faire 15 heures en classe, c'est nul, ok? J'ai pas envie de faire 5 heures en classe. Je paye 200 $ de plus, ou je peux... Et après, avec ça, j'ai 10 heures de conduite. 15 heures de classe, 10 heures de conduite, je paye vers 600 $, ok? Ou je peux faire juste 10 heures de conduite, ok? 10 heures de conduite que j'utilise, ok? Parce que je sais pas conduire. Okay. Donc, le mec, il me dit, et combien est-ce que t'as déjà pris tes heures de ta classe, tes 15 heures de classe? J'ai fait, non, monsieur, je fais pas ça. Il me fait, ah bon? Et si je te dis que si tu prenais cette classe-là, ça enlevait 10% de ton assurance? J'ai dit, ok, monsieur, 10% de mon assurance, ce sera quoi? 200 $? Combien ça coûte la classe? 200 $. Tu vois? Il me dit, non, mais peut-être pas. Je dis, ah bon? Ok. Il me dit, appelle ton assurance, l'assurance de tes parents, et demande-leur. Ok, j'appelle l'assurance des parents. J'appelle l'assurance de ma mère. Elle me dit, je comprends pas. J'ai dit, ok, je t'explique encore. Si je prends cette classe-là, combien est-ce que ça va enlever de mon assurance? Donne-moi un pourcentage, quelque chose. Elle m'a dit, ça dépend, mais définitivement ça va aider, mais ça dépend. Ça dépend de ton âge, ça dépend de la voiture. J'ai dit, ok, madame, j'ai 19 ans. Ouais, ok. Bah, ça dépend. J'ai dit, madame. Ça aide ou ça aide pas? Ça dépend ou ça dépend pas? Parce que je te dis tout de suite là, 200 $, 200 $. Est-ce que c'est de l'argent que je jette à la poubelle ou pas? Oui ou non? La meuf, je sais pas. Non, ça dépend. C'est pas que ça dépend, je crois. Moi, je crois que si tu sais pas ou t'as pas envie de me dire, je sais pas c'est quoi ton problème, ok? Ils arrêtent pas de vouloir que je dépense mon argent. Moi, j'en ai marre. Moi, je veux juste apprendre à conduire, ok? J'ai pas envie de prendre ta classe de 15 heures là, ok? Pour je vais gâcher un week-end pour faire quoi? Pour t'écouter parler et prendre un test et avoir quoi? Un certificat? Vas-y, ferme ta gueule. Bref, donc ça m'énerve. Ça m'énerve! Parce que... Ah, j'aime pas quand les gens me disent quoi faire, tu vois? Et l'autre, il me fait chier quand même. Tu vois? Apprends-moi à conduire et puis après c'est tout. Tu vois? Et aussi, pourquoi l'assurance ça coûte aussi cher aussi pour les voitures là? Depuis quand? Depuis quand la meuf? J'ai dit, ok, on va dire, je prends pas la classe. Ok, t'as rien. Combien je paye? Ça dépend. Alors là, si tu commences pas à parler... Je te jure, j'achète pas la voiture. Alors, je sais pas quoi faire avec eux. Je sais pas. C'est un grand. Comment ça s'appelle en français? Un scam, je sais pas. À chaque fois, il y a un mot en anglais, je sais pas dire en français. Mais bref, ça m'énerve. Donc, dites-moi votre expérience avec ça. Dites-moi vraiment si je devrais prendre cette classe ou pas. Est-ce que vraiment je sauve, j'économise ou pas? Dites-moi pour de vrai, hein. Parce que j'en ai marre là. Les gens, ils savent pas, ils disent pas les choses comme ils doivent les dire, hein. Ça, c'est le Canada, ça. En France, on dit les choses comme elles sont, hein. Alors, excuse-moi. Alors, moi, j'en ai marre.